Il est urgent de réformer non seulement la physique, mais la société. Et vous n'avez pas 150 façons de le faire. Il faut que vos citoyens soient capables de raisonner. Et que vous ne retourniez pas simplement à l'âge de pierre. Génétiquement, nous sommes des hommes de l'âge de pierre. Je ne veux pas vous insulter, vous êtes des gens de l'âge des cavernes, et moi aussi. Et la science progresse pendant que nos gènes, eux, y restent ceux de l'âge des cavernes. Et nous avons le devoir de nous adapter à cette situation en améliorant l'enseignement. Et l'enseignement globalement changé, d'abord pour les enfants par la main à la pâte, ensuite par une amélioration de l'enseignement scientifique pour le reste de la société, ça me paraît une des petites armes qui nous restent pour résister à ça. Alors, j'en ai d'autres, politiques, si vous vous inscrivez à mon parti, mais je les garde secrètes. Mais je pense que nous avons un problème colossal. Et que la réforme de l'éducation, et non pas la réforme de la physique, c'est un problème formidable pour les gens de notre groupe social. Je vous remercie.